Bonjour, je suis Julien, votre professeur de français. Dans cette unité 3, nous expliquons comment décrire un environnement, l'environnement où l'on vit, un quartier. Ici, je vais vous faire une présentation tout d'abord de la ville de Paris, comment décrire une ville, et ensuite la description d'un quartier, plutôt un arrondissement, de Paris, le 18e arrondissement. Commençons d'abord par la présentation de la ville de Paris. Paris a une population de 2 181 371 habitants, ce chiffre date de 2006, et une densité de 20 696 habitants par kilomètre carré. La superficie ou aire urbaine de Paris est de 12 067 000 habitants. Les habitants de la ville de Paris s'appellent les Parisiens ou les Parisiennes pour le féminin et Parisiens pour le masculin. Paris est la capitale de la République française. Elle est la ville la plus peuplée de France. C'est le chef-lieu de la région Île-de-France. Elle se situe sur une boucle de la Seine au centre du bassin parisien. Capitale économique et commerciale de la France, Paris en est aussi la première place financière et boursière. La densité de ses réseaux ferroviaires et autoroutiers, ainsi que sa structure aéroportuaire en font un point de convergence des transports internationaux. Paris est très connu pour ses nombreux monuments et son rôle majeur au niveau politique et économique dans l'histoire de l'Europe et du monde. Véritable symbole de la culture française, la ville de Paris attire près de 30 millions de visiteurs par an. L'agglomération parisienne s'est largement développée hors des limites de la commune au cours du XXe siècle. Si l'on inclut l'agglomération et la couronne périurbaine, Paris est, avec ses 13 millions d'habitants, la deuxième agglomération la plus peuplée d'Europe derrière Moscou, qui elle a plus de 15 millions d'habitants. Et également, elle se trouve devant Istanbul, qui elle compte 12,6 millions d'habitants. Et l'agglomération la plus peuplée de l'Union européenne. Paris, avec un produit intérieur brut, ou PIB, de 164 millions de dollars, est un acteur économique européen majeur. L'Île-de-France est la première région économique européenne. Voilà pour une présentation possible de la ville de Paris. Je vais maintenant vous faire une courte description du 18e arrondissement de Paris. Le 18e est l'un des 20 arrondissements de Paris. Situé sur la rive droite de la Seine, il comprend l'ancienne commune de Montmartre, rattachée à Paris en 1860. C'est le 3e arrondissement le plus peuplé de la ville après les 15e et 20e arrondissements. Voilà une possibilité de présentation d'une ville ou bien d'un quartier. Je vous remercie beaucoup de votre attention et l'on se retrouve très bientôt. Au revoir.